Donc voici la toute première version de la machine que j'ai construite. Elle est opérée à l'aide d'un Arduino Uno qui va contrôler deux servomoteurs. Un servomoteur qui fait bouger la planche, donc qui fait translater la planche sur l'axe des X. Et un servomoteur qui est accroché à un stylo et qui va donc faire bouger le stylo pour qu'il fasse des points à intervalles réguliers. L'axe Y est géré par deux moteurs à courant continu, ici et là, qui vont faire une petite rotation dès que la planche revient à sa position initiale. Donc cette machine permet de tracer environ des dessins de 150 par 300 points. Et donc à la fin, un dessin qui dure environ 2 heures, on peut avoir des résultats comme celui-ci, qui est un de mes meilleurs dessins. Donc là j'ai dessiné Albert Einstein, ça a pris environ 2 heures. Mais le problème c'est que la qualité n'était pas assez suffisante. Donc on peut le voir, il y a plein de petits accrochages et de petites imperfections. C'est pour ça que entre le moment où j'ai postulé pour ce concours et le moment où devait se dérouler la finale, j'ai eu le temps de construire une deuxième version de cette machine, que voici. Alors cette version elle est bien mieux, parce que déjà elle est plus précise, mais elle est aussi beaucoup plus rapide. Alors cette machine elle est opérée par un Arduino Mega, qui est déjà bien plus costaud et puissant que l'Arduino Uno. Et elle a une résolution, au lieu d'avoir une résolution de 350 par 150, contrairement à la version 1.0, elle a une résolution de 7000 par 3000. Donc je vais montrer maintenant la partie logicielle. Donc ici c'est la partie logicielle qui gère la version 1.0, que voici. Et la partie logicielle qui gère la version 2.0 est ici. Donc là je suis en train de dessiner Elon Musk. Et donc le logiciel que j'ai créé ici va découper l'image en lignes. Et donc ligne par ligne, il va envoyer l'information à la machine. Donc là, la machine est en train de dessiner une ligne. Et dès qu'elle doit dessiner une ligne qui est noire sur l'image, le stylo va s'abaisser et tracer la ligne. Et dès que la ligne doit être blanche, il va se relever et continuer son chemin. Alors l'avantage de cette technique, c'est qu'au lieu de dessiner des points, contrairement à cette machine, c'est beaucoup plus long. Cette machine dessine des lignes, et donc une série de points... une série infinie de points, ce qui accélère énormément le temps de dessin. En revanche, le temps de dessin total n'est pas inférieur à celle de la version 1.0, puisque la qualité étant bien supérieure, on a un temps de dessin qui environne les 5 heures. Donc ce que j'ai dessiné avec cette machine est de bien meilleure qualité. Donc là on a par exemple Jules César, que j'ai dessiné environ 5 heures avec cette machine. Donc on voit bien que les lignes sont bien plus rapprochées, on a beaucoup moins de points visibles. Donc là, le rendu est bien meilleur. Donc j'ai eu l'idée de construire cette machine parce que à la base j'avais un ami qui dessinait très bien, et moi je ne sais pas du tout dessiner. Donc ce que je voulais faire, c'est construire une machine qui puisse transformer des images en format JPG ou n'importe quel format, et les transformer en dessin fait à l'aide d'un stylo. Donc on pourrait penser à première vue que ça n'a pas grand intérêt. Pourtant, si, ça a un intérêt artistique, puisque ça montre que les machines sont capables de faire de l'art. Et de l'art, on pourrait tout simplement imprimer des images, mais ça n'a pas d'intérêt puisqu'on n'a pas ce côté fait à la main que ces machines apportent. La version 2.0 de ma machine est opérée à l'aide de 3 stepper-moteurs qui sont des moteurs à courant continu mais avec une très grosse précision. Donc ils sont là, là et là-bas. Les deux du fond dirigent l'axe Y qui va être l'axe de déplacement vertical. Et celui-ci dirige l'axe Y, qui va donc être le déplacement horizontal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux barres en fer pour que le chariot qui bouge ne puisse pas avoir de roulis et soit toujours dans une position stable. Ce que j'ai fait, c'est que sur le chariot, j'ai mis un servomoteur qui va être contrôlé aussi par l'Arduino Mega. Et donc ce servomoteur, si on regarde bien, et donc il va faire monter une petite pièce qui va être ramenée automatiquement grâce à un élastique en position normale. Donc on peut régler cette position pour faire en sorte que le stylo ne monte pas trop haut. Parce qu'à chaque fois que le stylo se rabaisse, avec la force de l'élastique, ça abîme un peu la mine. Donc on peut faire en sorte que le stylo se lève justement de quelques millimètres pour limiter les dégâts. Donc les 3 stepper moteurs sont alimentés par 3 cartes de contrôle que voici, qui sont aussi reliées à l'Arduino Mega. Donc toutes ces cartes et ces moteurs sont alimentés par une prise 12 volts qui est indépendante de l'Arduino
Et l'Arduino, quant à lui, est alimenté par une prise USB qui est reliée à l'ordinateur. J'avais aussi, à l'époque, que lors de la construction de la machine, créé un joystick pour pouvoir contrôler faire des dessins à la main. Mais le problème, c'est que il y avait beaucoup de... La vitesse de déplacement sur l'axe X et l'axe Y n'était pas la même, donc on avait des dessins qui étaient tout distordus, donc c'est pour ça que j'ai enlevé cette fonctionnalité. L'avantage de la version 2.0 par rapport à la version 1.0 est aussi sa facilité d'opération. Pour enlever la feuille, il suffit juste d'enlever ces petites cales et de la sortir. Alors déjà sur l'autre, il faut couper la feuille puisque la plaque, le plateau pour là où est la feuille, est plus petit qu'une feuille A4, donc il faut un petit peu couper les bords, ce qui est problématique, contrairement à cette machine qui est conçue pour supporter du A4. Donc à la base, la version 2.0 était aussi censée être capable d'accueillir du format A3, donc qui est doublement plus gros que le A4. Sauf que pour des raisons de temps d'impression et de précision, j'ai préféré mettre du A4 parce que sinon c'était beaucoup trop long pour les moteurs. Parce que plus les moteurs sont actifs, plus ils chauffent. Et au bout d'un moment, on atteint une température qui est plus supportable. Donc c'est pour ça que j'ai préféré limiter la taille, donc le temps d'impression. Alors pour la machine 1.0, c'est le même système. On a donc l'Arduino qui est alimenté en USB, donc le logiciel qui est sur l'ordinateur et le contrôle par communication série. L'Arduino est alimenté aussi par une prise 12 volts, que voici, qui alimente donc la carte de contrôle des moteurs, qui va permettre à l'Arduino de contrôler la vitesse de rotation des deux gros moteurs à courant continu ici et là-bas. La prise d'alimentation 12 volts alimente aussi deux cartes de réduction de voltage. Ici, on a une carte qui réduit le voltage en 9 volts et une carte qui le réduit en 5 volts. Donc le 5 volts, ça va être pour alimenter les servomoteurs qui dirigent le stylo et le plateau. Et la carte d'abaissement de tension en 9 volts va alimenter les moteurs à courant continu. Je préférais les mettre en 9 volts parce que je ne savais pas la tension nominale du moteur là-bas que j'ai récupéré dans un lecteur CD, donc j'ai préféré mettre du 9 volts pour éviter les dégâts. On a aussi un écran qui indique le progrès du dessin. Donc là, on est à 14%. Ça peut être pratique si on ne sait pas à quel endroit on est dans le dessin. Et aussi, j'ai rajouté un petit plus qui ne sert pas forcément à grand-chose, mais c'est un haut-parleur qui va donc être activé quand le dessin commence et quand le dessin se termine, ce qui permet donc de reboucher le stylo quand c'est fini, parce que le stylo, quand il est laissé à l'air comme ça, il s'use très vite. Donc les deux machines sont en quelque sorte des destructrices de stylos. Celle-là va abîmer le stylo en le faisant sécher, mais aussi en abîmant l'empreinte. Et celui-là va envoyer la pointe très fort sur le papier, ce qui peut, à force d'utilisation, détruire la pointe.